pour moi, c'est vraiment c'est le poumon de la terre. On parle souvent de l'Amazone comme étant le poumon, mais pour moi, c'est la mer, à tout point de vue, d'ailleurs, y compris pour tout ce qui est absorption de CO2. Mais c'est pour moi 70% de la surface du globe. C'est le seul endroit, enfin le seul endroit où il y a des océans où on n'a pas encore exploré tous les fonds. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc autant aujourd'hui que tous les moyens qu'on a, on a l'impression d'être dans la totale maîtrise de notre environnement. Et pour moi, bah, la mer regorge encore de curiosité, de rêves, d'aventures. C'est tout ça que ça représente, puis c'est aussi une ressource naturelle qui nous permet de vivre, d'exister, j'espère pour encore longtemps. Donc c'est pour moi, ça inspire aussi quelque chose qu'il faut respecter, plus que ce qu'on fait actuellement, essayer d'arrêter de la maltraiter, de bien prendre conscience que sans la mer, il n'y a pas la vie sur Terre.